Maxime, j'espère que vous aimez également Pampa, c'est super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là déjà je suis pas chez moi comme vous le voyez, je suis chez mes grands-parents. Et puis jouer au SPAC déjà. Hein. Et puis aujourd'hui j'ai bien aimé aussi le dernier top 5 que j'ai fait. Donc j'ai décidé d'en refaire un. Et aujourd'hui ça va être le top 5 des pires conneries que j'ai fait. 1. Alors pour le premier, je pense que ce serait quand j'ai fait brûler du... Enfin quand j'ai fait un feu derrière la maison. Je pense que ça serait la pire connerie que j'ai fait. 2. Bon, la deuxième plus grosse connerie que j'ai fait, je pense que c'était pour le premier de l'an de 2016. Ouais, on allait passer en 2016. Je me suis trompée de verre, je buvais du coca et puis il y avait du whisky coca. Je me suis trompée de verre, j'ai bu cul sec un verre de whisky coca. Et puis j'étais pas bourrée mais j'étais pas en très bon état quand même. 3. Alors pour le troisième, c'était l'année dernière, je voulais cueillir du mimosa dans un arbre qui est derrière chez moi. Et puis je suis montée dans un arbre, je sais pas, j'étais à 5 mètres peut-être. Et puis je me suis cassé la gueule, je suis tombée tout en bas. Dommage, j'ai pas de vidéo. 4. En quatrième place, je dirais que il y en a un qui me... C'était au rugby, il y en a un et j'avais... Comment vous dire, j'ai retourné les côtes, une côte d'un gars au rugby, en voulant le plaquant. J'ai mis les... Bon, j'épargne les détails. 5. En cinquième place, je dirais que... Quand je me suis ouvert le genou en fonçant dans un poteau. C'était quand même une belle connerie à faire. Hein. Bon bah si vous aimez cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous. Et puis non. J'ai un truc à vous montrer avant. Le truc à vous montrer c'est ça. Voilà. Que je me suis acheté tout à l'heure d'ailleurs. Voilà. C'est ceci, là, voilà. Je vais vous montrer... Le petit boîtier, en fait c'est à peu près comme une... Putain je crois que je vais niquer. C'est à peu près comme une GoPro. Sauf que c'est une sous-marque de GoPro si vous voulez. Putain. Voilà. Voilà c'est ça. Après il y a plein d'accessoires avec mais... Je vais pas vous les montrer parce qu'il y aura plus de... De présentation de l'Energix. Que de vidéos. Bon bah c'est toi, si vous aimez cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous et puis allez, ciao!